Bonjour, docteur Beek. Bonjour. La grippe, est-ce un gros rhume et comment fait-on pour distinguer les deux? La grippe, c'est pas du tout un gros rhume. La grippe, c'est une maladie spécifique qui est causée par un virus qu'on appelle l'influenza. C'est une maladie qui rend les gens très malades. Comme on dit, les gens sont facilement sur le carreau pendant une semaine, voire même 10 jours avec la grippe. C'est pas une maladie là pour laquelle on peut prendre un comprimé, un cachet quelconque, et puis se sentir bien dans les heures qui suivent et continuer ses activités comme d'habitude. La grippe peut-elle être évitée? La grippe peut être évitée principalement par deux mesures. La première, c'est la vaccination, et la deuxième, c'est maintenir l'hygiène respiratoire. Et comment le virus de la grippe se propage-t-il? Le virus se propage par des petites particules qui sont sécrétées ou qui sont propagées lorsque les gens toussent ou se mouchent. Alors, l'hygiène, l'étiquette respiratoire encourage les gens à se moucher ou de garder les sécrétions sur eux autres, particulièrement en éternuant dans le coude. Combien de temps une personne est-elle contagieuse? En général, la personne va être contagieuse entre 5 et 7 jours. Et est-ce que vous savez combien de personnes attrapent la grippe chaque année à Montréal? On parle d'une personne sur 6, ce qui est une des raisons pour laquelle on se fait vacciner. Mais la raison principale, c'est il y en a deux. La première, c'est pour pas être malade. Et la deuxième, c'est pour protéger ses proches. Docteur Bick, est-ce que la grippe, c'est une maladie grave? Oui, la grippe est une maladie grave. Pour les gens en santé, les gens vont être malades et vont souvent se remettre. Mais n'importe qui est en bas âge ou en âge avancé, n'importe qui a des maladies pulmonaires, cardiaques, et ainsi de suite, est à risque de nécessiter une hospitalisation ou encore voire même être hospitalisé aux soins intensifs. L'hiver passé, on en a vu beaucoup de cas qui ont nécessité des hospitalisations aux soins intensifs, voire même en mourir. Docteur Bick, pourquoi dois-je me faire vacciner contre la grippe? Je pense qu'on se fait vacciner pour deux raisons. La première, c'est pour se protéger. Alors, il n'y a personne qui aime ça être malade, vraiment malade pendant une semaine. La deuxième, c'est pour protéger ses proches. Et qui doit se faire vacciner? Qui doit recevoir le vaccin contre la grippe? Alors, tous les gens qui ont des maladies chroniques devraient recevoir des vaccins pour la grippe. Tous les gens qui sont en contact fréquent avec ces personnes-là, alors surtout les membres de la famille. Les gens qui sont en contact avec des personnes en bas âge. Et puis évidemment, des gens comme moi qui sont en contact avec le public et qui vont avoir affaire avec des gens qui sont malades. Et pourquoi chaque année? Chaque année, c'est important parce que c'est pas toujours la même variété du virus de l'influenza qui se propage ou qui est présent dans la communauté. De façon générale, ce qui se passe, c'est qu'on choisit de façon épidémiologique les trois souches les plus probables à chaque année. Et puis c'est le vaccin qui est administré, qui est offert à la population. En combien de temps le vaccin devient-il efficace et justement, quelle est son efficacité? L'efficacité est autour de 70 à 90 % dépendant de la réponse immunitaire des individus. Et puis le temps pour que ça fasse effet, c'est entre 10 et 14 jours. Est-ce que la vaccination a des effets secondaires? Oui, la vaccination peut avoir des effets secondaires. En général, ce sont des choses mineures, comme douleur au site de l'injection, un peu de rougeur, voire même un petit peu de fièvre. Mais il peut avoir des symptômes plus sévères, comme des douleurs musculaires diffuses. Et est-ce que le vaccin qu'on m'injecte peut me donner la grippe? Non, le vaccin qu'on injecte ne peut pas donner la grippe. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est le cas. Ce qui arrive des fois, c'est que les gens sont déjà en incubation quand ils reçoivent le vaccin ou qu'ils l'attrapent avant que l'immunité soit développée. Mais le vaccin lui-même n'est pas la grippe. On n'utilise pas le virus vivant de la grippe pour faire le vaccin. Mais est-ce que je peux attraper la grippe même si j'ai été vaccinée? Oui, il y a certaines personnes qui vont attraper la grippe même s'ils ont été vaccinés. Ça peut être pour deux raisons. D'abord, parce que le vaccin n'a pas été tout à fait efficace cette année-là. Ou il peut y avoir une souche autre que les trois qui ont été choisies que la personne a attrapées. Le vaccin protège-t-il contre le rhume? Non, le vaccin ne protège pas contre le rhume ou contre toutes les autres infections qui ont l'apparence d'un rhume. Alors, c'est pour ça que c'est important que, même vacciné, dans tous les cas, on maintient une étiquette respiratoire pour éviter la propagation de tous les autres virus qui causent des symptômes qu'on pourrait confondre comme un rhume. Je suis en parfaite santé, mon système immunitaire est fort et je n'ai jamais attrapé la grippe. Est-ce que je dois quand même me faire vacciner? Oui, si vous faites partie des groupes à risque, c'est-à-dire des gens qui peuvent transmettre l'infection à d'autres personnes qui peuvent être très malades, c'est important de vous faire vacciner. D'une façon personnelle, les chances sont que vous allez attraper la grippe tôt ou tard, et puis c'est plus intéressant de vous protéger à ce moment que d'attendre et de l'attraper.
En terminant, Dr Beick, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont jamais été vaccinés pour les inciter à se faire vacciner cette année? Moi, je vous dirais que le vaccin est sécuritaire et il est efficace. Faites-le pour vous et faites-le pour les gens qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup.